Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais faire un petit tour à H-Market. Je viens tout juste d'arriver. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21 septembre 2022. Je tenais vraiment à vous partager le prix des fruits et légumes, sachant que tout a augmenté partout et que ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. C'est parti pour la pomme golden. Elles sont belles. 1,99€ le kilo. Pomme gala royale, pareil, 1,99€ le kilo. Après, vous avez de la tomate cerise ici. Je crois qu'à H-Market, ça reste les moins chers quand même. Tomate cerise trio, comme ça, 1,19€. 360 grammes, zéro résidu de pesticides. C'est bien ça. Ensuite, juste au-dessus. Ah, ça c'est bien. Belle barquette de fraises, regardez. 500 grammes, 2,49€. Ça, franchement, c'est chouette. Elles sont belles, hein. Je continue du coup. Pomme Granny Smith, ça c'est plus cher, 2,49€ le kilo. Pomme Pink Lady, 2,99€ le kilo. Ensuite, il y a de la tomate cerise, 250 grammes, 1,19€. C'est pareil, hein, c'est zéro résidu de pesticides, ça c'est bien. Voilà, kiwi. Ah, pomme Red Chef, 1,99€ le kilo. Le kiwi gold, 79 centimes la pièce. La poire Williams, 1,99€ le kilo. Poire conférence, 1,99€ le kilo. Le kiwi vert, 49 centimes la pièce. Je ne peux pas trop vous montrer les étiquettes de prix parce qu'il y a des gens juste en face de moi. Donc voilà, je ne peux pas me permettre. Poire commis comme ça, 1,99€ le kilo. Du raisin, là il y a que ça, mais il y en a de l'autre côté. Hein. Raisin La Vallée, c'est origine France. Ça, je vous ai pas dit, origine Belgique. Raisin, celui-ci, 2,99€ le kilo. Après, vous avez le raisin blanc, Italie, 2,99€ le kilo aussi. Après, vous avez celui-ci, raisin Red Globe, Italie, 2,99€ le kilo. Ici, vous avez les pommes. Les pommes, je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est pomme. C'est la gala, ils ont mis. On dirait de la golden. Attendez. Non, c'est la golden, celle-ci. C'est 1,99€ le sachet de 2 kg. Ça revient à 99 centimes le kilo. Juste au-dessus, vous avez de la mangue. 1,49€ la pièce. Et c'est d'Espagne. Ça, c'est Belgique. L'ananas, 2,49€ la pièce. Costa Rica, franchement, c'est super bien chargé et c'est très calme. Il n'y a pas du tout de monde. Poire conférence, le sachet de 2 kg, 2,19€. Ça vient de la Belgique et ça revient à 1,10€ le kilo. Allez, là, la pomme golden, bah, c'est le même. Ah, ils se sont. Ouais, ok. C'est 1,99€. Il y en a encore là-bas. Le sachet de 2 kg, super intéressant. Là, la pomme Red Prince, origine Belgique, donc France, et ça, Red Prince Belgique, 1,99€ le sachet de 2 kg. Et franchement, tout est très bien. Le kilo de banane qui est là, c'est Équateur déjà, et c'est 1,19€ le kilo. Voilà. Allez, je fais un petit tour du côté des légumes. Là, il y a le sachet de carottes origine France. Les 2 kilos, c'est 1,79€. Je crois qu'il y en a en vrac, mais c'est de l'autre côté. Chou-fleur, c'est 1,99€. La pièce, et ça vient de France. La barquette de champignons blancs, comme ça. 500 grammes, Pologne, 1,79€. C'est 500 grammes, ça? Ah oui. Le chou rouge France, 2,19€. Ensuite, chou vert, 1,99€. Chou blanc, alors là, c'est 1,99€ la pièce, hein, je ne vous ai pas dit. Et 2,19€, je regarde, c'est la pièce. Oui, voilà. Là, chou blanc, 2,29€ la pièce. Voilà. Haricots verts, comme ça, 2,99€ le kilo. Ça vient de France. Et là, haricots écossais, comme ça. 2,99€ le kilo, ça vient de France. Vous avez les épinards, 2,49€. Tac.
Le kilo, vous avez de la salade romaine. Le sachet. Sachet, ils ont pas mis c'est combien? J'essayais de voir le grammage, mais j'arrive pas à voir. 2,69 €, je sais pas pour le poireau, 1,99 € le kilo. Ça, franchement, les prix sont vraiment nettement moins chers que Carrefour. C'est même pas comparable, je dirais, hein, je vous le cache pas. 1,49 € le céleri. C'est la botte. Ensuite, coriandre, persil. Là, hop, 50 centimes. Voilà, la botte. Persil, c'est pareil, c'est 50 centimes la botte. Carotte en botte, c'est 1,69 € la botte. Franchement, les légumes sont super. Oignons en botte, comme ça. C'est 1,59 € la botte. La salade Batavia, 99 centimes la pièce. Vous avez sinon la feuille de chêne rouge. C'est 99 centimes. La laitue, 99 centimes la pièce. Ensuite, ici, le concombre. 1,49 € la pièce. Après, vous avez les mini concombres qui sont là-bas. C'est 2,99 € le kilo. Là-bas, c'est au kilo. Et là, c'est à la pièce 1,49 €. Je ne vous ai pas dit l'origine Hollande. Je vais aller voir plus loin. Ici, c'est pareil, c'est Hollande. Ensuite, vous avez concombre quinoa, 2,19 €. Là, c'est au kilo. Là, regardez, vous avez un pot de basilic comme ça, en pot. C'est 1,99 € le pot. C'est France. Concombre Noah, c'est Hollande. Endive en sachet, le sachet d'un kilo, 2,99 €. Là, vous avez du bon brocoli, c'est 3,49 € le kilo. Du radis rose, comme ça. 99 centimes la botte. Là, vous avez du navet marteau, 1,99 € le kilo. Franchement, super intéressant, hein, regardez. Voilà, ensuite, vous avez un sachet comme ça de radis rouge au kilo, 1,99 €. Là, vous avez du navet violet, 2,99 €. Voilà, vous avez navet boule d'or qui est juste là, 2,49 € le kilo. Et origine France, et là, France aussi. Le fenouil, c'est 2,99 € le kilo. Là, vous avez de l'asperge, c'est comme ça. Ah, l'asperge, ils ont mis la botte, 79 centimes. Je vois que ça, 79 centimes, ça va. Ça vient du Pérou. Le fenouil, c'est d'Allemagne. Ensuite, la courgette, comme ça. Attendez, courgette verte, c'est 2,49 € le kilo. Et les carottes en vrac, voilà, c'est ça. 1,29 € le kilo. Allez, petit tour de côté du poivron. Poivron corne vert, 1,99 € le kilo. Aubergine. 2,90. Alors, ça vient d'où ça? Du Maroc. Aubergine d'Espagne, 2,99 € le kilo. Aubergine, ça c'est la graffiti. Ça c'est Espagne aussi. Aubergine 2,99 €. Regardez comment c'est moins cher le poivron ici. Poivron jaune. 2,99 € le kilo. Et ça vient de Pologne. Orange, 2,99 € le kilo. Je vous montre, regardez. Voilà. Voilà, 2,99 €. Le rouge, 2,99 € le kilo. C'est ça, ça vient de Hollande. Celui-ci de Pologne. Le vert de Belgique, 2,99 €. La tomate, comme ça, tomate ronde de Belgique, 2,99 €. Non, même pas. 2,59 € le kilo. Voilà. Les mini poivrons, le kilo, 2,99 € et le piment vert. Du Maroc, 2,99 € le kilo. Là aussi, c'est au kilo. Le piment rouge du Maroc, 2,99 €. Ah, le piment blanc, 3,49 €. C'est plus cher. C'est du Maroc aussi. Après, vous avez le trio comme ça, mixte de poivrons. Et c'est d'Espagne. 1,19 € poivron tricolore comme ça. Ils ont mis 500 grammes. Voilà. Poivron corne rouge, 2,59 € Pologne le kilo.
Allez, je vous montre le prix des fruits nectarine blanche Espagne 2,99. Nectarine jaune 2,99 Espagne. Pêche jaune 2,99. Je crois que c'est les moins chers du marché. Pêche blanche aussi d'Espagne 2,99. Franchement, il n'y a rien à dire. Le melon ici, c'est 1,19 € le kilo. Ah, c'est au kilo ici. Ça vient d'Espagne. Après, vous avez le jaune d'Italie, 1,19 € et c'est au kilo. Ensuite, je continue. Prune d'Angeleno d'Espagne, 2,99 € le kilo. Prune comme ça, Sungold, Espagne, 2,49 €. Prune Laetitia, ils ont des noms. Espagne, 2,99 €. Prune Reine Claude, c'est trop bon ça. 4,19 € le kilo. Prune Président de France, ça et ça de France, 2,99 € le kilo. Vous avez des figues de Barbarie. C'est d'Italie et c'est 2,99 € aussi le kilo. Alors, je ne vous ai pas montré aussi, on peut retrouver de la clémentine extra d'Afrique du Sud, c'est 2,99 € le kilo. Et juste à côté, vous avez du citron au kilo, 2,99 €. C'est d'Afrique du Sud aussi. Et là, je continue, vous avez de l'orange Navels extra d'Afrique du Sud, c'est 1,99 € le kilo. Et vous avez du pamplemousse juste au-dessus, c'est 79 centimes la pièce et c'est d'Afrique du Sud. L'avocat, les amis, là aussi, je trouve que c'est moins cher. C'est 99 centimes la pièce et c'est de Colombie. Juste au-dessus, je vois de la grenade comme ça. C'est 2,99 € le kilo. Voilà, je continue. Il y a des oranges comme ça, Valencia Lette du Portugal. 1,99 € le kilo. Et juste au-dessus, il y a des petites barquettes de framboises comme ça, 125 grammes, 1,99 €. Voilà, je vous ai vraiment fait le tour de tout ce que j'ai vu. Hein. Les myrtilles, barquette, 1,99 € les 125 grammes. C'est des myrtilles, oui, c'est des myrtilles. Voilà. Vous avez le maïs comme ça à la pièce, c'est 79 centimes. Vous avez des dattes fraîches comme ça, des dattes fraîches Bahri de Jordanie, 4,99 € le kilo. Voilà, ensuite vous avez des amandes sèches comme ça, enfin séchées, c'est 4,99 € le kilo. Par contre, à la caméra, ça ressort plus clair, hein. Mais c'est moins clair. Voilà, ensuite vous avez de l'igname, 2,99 € le kilo, et ça vient du Brésil. Et ça, je ne vous ai pas dit d'où ça venait, ça vient de France. Juste au-dessus, il y a des fruits de la passion comme ça. Afrique du Sud, c'est 1,29 € la pièce. Voilà. Ensuite, vous avez du piment antillais. Ouh, ça doit bien arracher ça. 11,99 € le kilo, c'est d'Espagne. Là, vous avez du gombo comme ça. D'Espagne, 6,99 € le kilo. Voilà. Ça, c'est quoi? Du manioc. 2,99 € le kilo, Costa Rica. Vous avez la patate douce, 1,99 € le kilo, et ça vient d'Égypte. Ah ouais, d'Égypte. L'oignon jaune, je continue, 1,49 € le kilo, et ça vient de France. Je continue, les amis, l'ail violet, comme ça, d'Espagne, c'est 4,49 € le kilo, et ça vient d'Espagne. L'oignon rouge, 1,79 € le kilo, ah, c'est moins cher ici. C'est en vrac et c'est d'Espagne. Après, il y a l'oignon comme ça en pulpe. C'est 1 kilo le pot et c'est 1,99 €. Normalement, il y avait aussi de l'ail, mais j'en vois pas. Là, il n'y a que de l'oignon. Ensuite, vous avez l'échalote en pulpe, 1 kilo comme ça en pot, 1,99 €. Ça vient de France. Vous avez l'oignon blanc, 1,99 € le kilo. Le petit filet d'échalote, les amis, ça vient de France, 250 grammes, 1,19 €. Ça va, hein? Ou bien vous avez en vrac comme ça, 2 €. Ah, c'est de France, le petit filet d'échalote. Celui en vrac, c'est pareil, c'est 2,99 €. Après, vous avez le filet d'oignon jaune comme ça, 1 kg de France, origine, c'est 1,79 €.
L'oignon rouge, 1,99 le kilo, c'est des Pays-Bas. Voilà, ensuite, je pense que je vous ai tout montré. Les pommes de terre comme ça, 2,5 kg, salade Vaporisolée. Pommes de terre chérie, 2,5 kg, origine France, et c'est 2,49 euros les 2,5 kg. Voilà. Allez, je fais un petit tour du côté de l'huile 5 litres. Je vous montre. Alors, oh, il n'y a pas d'étiquette. Je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer. Celui que c'est. Oups, c'est lourd. C'est celui-ci. Voilà, je vous montre bien. Donc, c'est celui-ci. Le bidon de 5 litres, c'est 10,99 euros. Je vous zoome bien l'étiquette. Voilà. Ça revient à 2,20 € le litre. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc les 5 litres, 10,99 €. Et là, il y a encore des bouteilles là. Ici, regardez, je vous montre. C'est 2 litres. C'est de l'huile de tournesol raffinée, 4,49 € pour les 2 litres. Du coup, si vous prenez celui-ci, voilà, 4,49 €, ça revient à 2,25 € le litre. Voilà, les amis. Et voilà les amis, c'était mon petit tour à H Market du côté, surtout fruits et légumes. Je tenais vraiment à vous partager tout ça. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.